histoire. Amen. Qui était venu malade? Qui est venu malade ici? Qui veut qu'on prie pour lui pour qu'il soit guéri? Merci ma soeur, approche-toi ici. Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un grand miracle. Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Qui est venu encore malade avec un problème? Qui veut voir ce Jésus-là? Ils sont en train de faire le bruit là. Est-ce qu'ils ont, ils ont tué? Est-ce que leur Jésus-là est vivant? Qui? Il est même. Qui l'opération est en train de se faire. Vous allez retourner guéri, délivré. Même si ce n'est pas la maladie, même si c'est d'autres problèmes, n'ayez pas peur, je suis venu pour la délivrance. Amen. La délivrance de cet enfant. Que le mot de tête s'arrête. Quand il va faire le concours. Noir, quitte l'enfant. Au nom de Jésus. D'abord par un témoignage. Amen, amen. La sœur, elle ne sait plus, elle était où? Amen. Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Tu ne te souviens plus. Ce qui s'est passé là, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu constates dans ton corps? Tu constates quoi dans ton corps? Je suis un changement. Je suis un changement, je ne me souviens plus là où j'étais. Tu sens un changement? Oui. Parle un peu fort. Oui, je sens un changement. Tu te souviens plus? Oui, je me souviens plus. Avant, tu sentais comment? Je me sentais étouffé, je me sentais pas en moi, quoi. Et là, il y a encore l'étouffement? Non, non. Tu te sens bien? Oui. Saute d'abord, saute, saute. Amen, est-ce que vous pouvez acclamer Amen, Seigneur Amen, 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 amen. Jésus-Christ t'a guéri. Amen. Prends tes sandales. Dans ses corps. Blocage. Démon de blocage. Manque d'évolution. Sécheresse. Envoûtement. Tous les démons. Sautez! L'est appelé la parole. La parole. Il est appelé la parole. Oh. La parole. Allez, 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 allez. Au nom de Jésus. Sortez. 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 Oh, Akumama. Alléluia. Akumama. Amen. Parle fort. Comme si... C'est l'opération de Dieu. Amen. Amen. Et elle est sous des vibrations
Il y a la présence qui a fait le travail. L'esprit là, j'ai vu comment il a ouvert sa bouche. Abba. Parfois il sort comme ça. Tu continues à sentir le tremblement. Amen. Amen. Soyez délivrés de la tremblement. Soyez délivrés de la puissance de Dieu. Tu constates maintenant. Avant c'était comment, maintenant c'est comment? Prends le micro. Bon, au fait, je peux dire, je n'avais pas au fait l'idée de rentrer au culte. Quand je suis revenue du boulot, je ne me sentais pas trop bien, j'étais allée me reposer. Et quand le culte a commencé, c'est ma petite fille que j'ai soulevée là, elle est venue vers moi. Maman, je vais m'habiller, je vais aller au culte. Moi j'ai dit, bon d'accord, laisse à ce que je puisse te faire là. Je l'ai fait laver, on est venu au culte. Malgré que j'étais là, j'écoutais la parole, ben, j'étais au fait pas dans le culte. Mais quand on a demandé à ce que les gens qui veulent recevoir le Saint-Esprit n'ont qu'à venir, je suis arrivée. Maintenant, là, je sens que je suis dans le bain du culte et je reçois le Saint-Esprit. Acclamez le Seigneur Jésus. Allez-vous l'asseoir, ma soeur. Je vous ai dit, elle a un problème, mais elle ne veut pas. Elle est en train. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. Alléluia à l'église. Amen. Amen. Vraiment, je veux parler de mon père. Il est malade. Je veux qu'on puisse prier pour lui, qu'il soit guéri. Amen. Il a vraiment mal aux pieds. Il ne marche plus bien. Il est vraiment malade. Maintenant, quand j'appelais, tu avais quoi pour dire? J'avais les doutes. Tu avais les doutes? Oui. Tu voulais venir, mais tu avais des doutes? Oui, j'hésitais. Ah. Vous avez compris? Amen. Peut-être les gens vont dire, mais comment le pasteur commence à appeler? Je dis, elle a un problème. Je ne dis pas que je commence à prophétiser. Amen. Amen. Mais elle est en train d'hésiter. Je peux te voir souvent dans la face. Elle a un problème, elle hésite. Je vous dirai un secret, le secret de la prière. S'il y a des hésitations et des doutes, Dieu ne fera pas grand-chose. Amen. Vous comprenez? Et si vous croyez réellement, en tout cas, ça sera un feu de miracle ici. Amen. 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 Elle avait un problème, elle hésitait, elle avait des doutes. Ce qui la faisait résister à venir, c'était les démons là qui en elle. Je ne voulais pas lui dire. Avant de prier pour son père, j'ai voulu d'abord, je vais sortir les démons qui en elle. Alléluia. Amen. Après, je vais prier pour son père. Amen. Les démons là savaient que l'homme qui est devant, il va me détruire. Alors, le pasteur a prié pour Nangaye Awa Savan. Seigneur Jésus, écoute la requête de ta fille.
là où est son père avec la maladie de nerfs. Seigneur, que cela libère son père, comme elle est guérie des maux de tête. Que la maladie des nerfs libère son père là où il est à la maison. Que les douleurs quittent son père au nom du Seigneur Jésus. Quand elle va repartir, elle va appeler son père, savoir s'il y a encore les douleurs de nerfs. Et nous aurons des témoignages demain. Seigneur, merci d'honorer les prières de ton serviteur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Oh, laissons, message, envoûtement. Malchance, blocage, envoûtement. Satan, sort! Non plus doux, pour les montées, les chants.